Bonsoir à vous tous, pour mes petits abonnés de YouTube, bienvenue en tout cas pour passer une bonne soirée, en tout cas pour annoncer justement pour le grand retour de YouTube justement à propos de ça. Et que j'annonce, quand j'ai dit la chaîne, c'est la chaîne. Donc je sais pas qu'est-ce qu'il y a eu de petit sautritage de qu'on dit quelque chose sur le mot sur YouTube. On dit la chaîne TikTok et pas TikTok. Donc moi j'ai dit TikTok. Donc c'est TikTok. Voilà quoi il faut dire. Alors pourquoi j'annonçais ce petit chaîne justement de TikTok, une petite chaîne TikTok, et ben en fait j'ai installé depuis samedi. Voilà, j'ai essayé pour voir comment c'est, parce que tout le monde m'en parle le TikTok justement à propos de ça, pour voir comment ça donne. Et ben je peux vous dire que ça me plaît, parce qu'au moins ça permettra à faire justement mon petit mini reportage de justement où je fais soit le côté de cinéma pour défendre le magazine du cinéma, jeux vidéo et bien sûr évidemment tout ce qui est culturel de la ville de Lyon-Rhône-Alpes, justement pour en tant reporter solidarité sociale justement à propos de ça, et de l'animation de Winnie et Fidèle justement pour ça. Alors c'est quoi TikTok? TikTok c'est comme une amélioration de Snapchat et bien sûr de différemment que Instagram. C'est installé depuis 2019, c'est un site qui est créé en Chine justement et que ça a très bien marché, et même en France. Alors pour une fois c'est tout chaque pays international que vous vivez, vous pouvez enfin parler votre langue. Que ce soit en anglais, et ben vous parlez de votre pays. Et quand c'est nous en France, et ben nous, on parle enfin notre langue française. Parce que c'est vrai qu'on va sur Facebook, qu'on va le côté de Facebook, et quand on voit côté Instagram, ben on ne sait pas si de qui ça va viser, si on va parler français. C'est très dur chercher des personnes qui sont nées en France, de chaque pays. Et ça, souvent, soit on trouve en espagnol, soit on parle avec quelqu'un, soit en espagnol, en anglais. Et très peu l'avantage, évidemment, de chez nous, région française. Et ben, je peux vous dire que pour poser la vidéo, vous avez 60 minutes ou 15 minutes. Si c'est plus court, c'est 15 minutes. Mais si vous voulez faire un mini non-reportage ou vos vidéos, c'est pas plus de 60 minutes justement. C'est largement suffisant pour en fait, pour pas trop nier les gens. En fait, c'est poser, vous créer votre vidéo, de présenter ça et faire soit, comment je fais mon petit humour de journaliste, faire déconner la chaîne de TikTok News Mag, on peut dire, mais en portant rigolo. Et aussi, de temps en temps, ben, je ferai mon animation de Peluche Winnie et Fidèle sur ma nouvelle petite chaîne TikTok. Et je partagerai évidemment sur Facebook, sur Instagram et sur YouTube. Alors, si vous voulez poursuivre mon univers de ma petite chaîne TikTok, vous allez voir sur mon site, mon nom, mon prénom, hein, donc je veux dire, mon fils, bah, vous voyez, avec mon logo photo, avec le chapeau noir, justement, ton reporter, version Al Capone, reporter solidarité sociale de l'animation de Winnie et de Fidèle, et ben, vous pouvez me trouver sur ma petite nouvelle chaîne, TikTok, évidemment, donc voilà. C'est tout que je peux vous dire. Je peux vous dire, en deux jours, j'ai gagné au moins peut-être un petit 19 d'abonnés. C'est déjà pas mal, qu'on peut dire. On peut dire carrément. Voilà. Donc n'oubliez pas, c'est ma. J'ai posé mon site et j'ai fait ma petite chaîne TikTok, évidemment. Et vous pouvez me rejoindre avec plein délire. Faire mon petit reporter délirant avec l'animation de Winnie et de Fidèle sur la chaîne de TikTok. J'ai dit chaîne, hein. Attention, chaîne
Voilà. Allez, je vous dis à très bientôt et je vous dis vers l'infini et au-delà, dans le cœur, la chaleur humaine de l'animation, la solidarité de Winnie the Fidèle et aussi, par contre, sur YouTube et sur ma nouvelle petite chaîne TikTok. Vers l'infini et au-delà, dans le cœur de vous tous. Ciao, bye. Salut.